Thank you.
Monsieur s'arrête à dit à ce danseni. Monsieur s'arrête à dit à ce danseni. Mes amis, le roi va ramener les fleurs de lys. Prends ton fusil Grégoire, prends ta courbe pour boire, prends ta vierge d'ivoire. Nos messieurs sont partis pour chasser la perdrix. Prends ton fusil Grégoire. Thank you.
Merci beaucoup. Il est temps à présent de remonter au 29 juin 1793, sous les murs de la ville de Nantes. Des armées blanches se rassemblent pour attaquer la ville et se rassemblent sous la bannière blanche. Thank you.
maintenant temps de suivre la route des colonnes infernales. Exterminer cette race rebelle des Vendéens. Tous les brigands qui seront trouvés les armes à la main ou convaincus de les avoir prises pour se révolter contre leur patrie seront passés au fil de la baïonnette. On en agira de même avec les filles, les femmes, les enfants qui seront dans ce cas. Les personnes seulement suspectes ne seront pas plus épargnées. Tout ce qui pourra être brûlé, village, métairie, bois, genêt, sera livré aux flammes. Il faut prendre de grandes mesures. La Vendée ne doit être qu'un grand cimetière national. La Vendée offre le spectacle du carnage, de la dévastation. Partout, le silence de l'horreur. Cette guerre ne finira qu'avec la mort du dernier Vendéen. Et tous, ils auront mérité leur sort. Nous les tuons en détail, en faisant périr tout ce qui se trouve dans le pays. Et puis, ils périront de misère. Plus de fours, plus de moulins, plus de villages. Il en résulte que, lorsque la guerre de la Vendée sera complètement terminée, il n'y aura point d'habitants dans le pays, puisqu'il n'y aura plus de fruits.
vous avez encore un petit peu de bois. Il y a être temps pour vous de chanter avec nous. Très simple. Ils ont une fois une strophe, vous répétez après nous. Les bleus sont là. Déjà arrivé à la fin de ces chroniques de l'insurrection. Merci beaucoup à Cobal et à toute l'organisation de la bande presse d'avoir rendu ça possible. Merci beaucoup. Merci à Alice Simon de l'Elixir pour être toujours nos fidèles amis depuis le début du projet. Merci à Johanna et Léon d'Anticlabel pour avoir cru en Pied Red dès le début aussi. Et enfin, bien sûr, merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui.